Alors le blob est un être vivant qui fait partie des mystères un petit peu de la nature. On ne sait pas tellement bien ce que c'est. Et même encore aujourd'hui, on ne sait pas bien si c'est un animal, un champignon. Ce n'est pas une plante, ça on est sûr. Mais est-ce que c'est intermédiaire entre un animal, un champignon? On le classe dans un groupe qui s'appelle les myxomycètes, donc c'est un nom bizarre. Il est capable d'apprendre. Si on le met dans un labyrinthe, il va apprendre et il va apprendre à bien sortir du labyrinthe pour aller chercher sa nourriture. Si on met un obstacle, une barrière de sel devant lui, très légère, il ne va pas la franchir dans un premier temps, même s'il y a de la nourriture derrière. Puis il va apprendre à la franchir et aller chercher sa nourriture derrière. Et ça, il va le faire de plus en plus vite. Et de plus en plus fort, si on fait fusionner deux blobs, celui qui a appris va transmettre sa connaissance à l'autre. Et donc, il va directement savoir franchir cette barrière.